Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous des faits marquants de la semaine. Et ce dimanche, nous parlerons de faits de société, nous parlerons de sport, de culture et d'économie avec deux invités. Et en première partie, nous accueillons Aline Valérie Bonneau. Elle est directrice exécutive du GECAM, Groupement des entreprises du Cameroun. Et en deuxième, nous serons en compagnie du président de la profession interavicole du Cameroun, le président François Ndjonou. Vous savez, le salon avicole international, c'est dans deux semaines à Yaoundé. Aline Valérie Bonneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Rétro, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois, mais c'est un plaisir renouvelé de venir dans vos murs. Alors, on vous a vu diriger de main de maître le processus de fusion, GECAM et CAM, et on vous a davantage vu à la manette le 9 avril dernier, vous pilotiez l'Assemblée Générale élective. Quelques jours après, comment on se sent dans la peau de la directrice exécutive que vous êtes? Bon, disons que c'est une fin heureuse. C'est une fin heureuse pour un processus qui a duré, si on se base sur les faits marquants, c'est-à-dire la signature du traité de fusion en avril 2023, on va dire que c'est un processus qui a duré un an. C'était le 5 avril précisément. Le 5 avril, mm-hmm. Mais en réalité c'est un processus qui a, depuis 2018, avec l'élection de M. Tawamba à la tête du GECAM en son temps, mm-hmm. et qui avait pour première ambition l'unification du patronat. Et depuis ce temps, il y a eu beaucoup, de négociations avec les organisations patronales, ECAM, le MECAM. Mm-hmm. Et donc, c'est juste avec ECAM qu'on a abouti à quelque chose qui a d'abord pris la dénomination de la coordination patronale, qui a fonctionné pendant à peu près deux ans et demi. Et donc, il s'agissait d'une instance qui harmonisait les positions des deux organisations sur un ensemble de sujets, notamment la fiscalité, le dialogue public-privé, et qui nous permettait donc d'unifier la voix de ces deux organisations dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Alors, Célestin Tawamba, qui devait voir son mandat arriver à son terme au GECAM en fin d'année 2023, vient d'être plébiscité à la tête du GECAM. Il conduisait d'ailleurs l'unique liste. Nous avons l'occasion de savoir quels sont les critères qui auraient disqualifié les autres prétendants au titre. Alors, déjà, il n'y a pas eu de disqualification. Je vais repréciser ce qui s'est passé. Alors, suivant les statuts du GECAM et le règlement intérieur du GECAM, une fois que le conseil d'administration de transition qui avait été mis en place, qui était composé des anciens conseils d'administration du GECAM et des anciens conseils d'administration de ECAM. Mm-hmm. Une fois donc que ce conseil avait arrêté l'agenda, on va dire l'agenda électoral, la directrice exécutive avait l'obligation d'ouvrir la période de réception des candidatures. Oui. Et cela a été fait le 9 février dernier. Et après cette ouverture, on a reçu trois manifestations d'intérêt. Trois manifestations d'intérêt. Alors, si je dois donner juste la catégorie des entreprises qui ont postulé, mm-hmm. on va dire ça comme ça, il y avait une très grande entreprise et ensuite il y avait une moyenne entreprise. Et à la fin du processus, c'est-à-dire un mois après, l'échéance était le 9 mars, donc un mois après, on n'a reçu qu'une seule liste. Donc, il n'y a pas eu de disqualification. Vous devez savoir qu'entre la manifestation d'intérêt et le dépôt de la liste, il y a
probablement des négociations pour constituer la liste. Tout à fait. Parce que c'est un scrutin de liste et les nouveaux textes prévoyaient un ensemble de conditionnalités, notamment que la liste soit composée de toutes les catégories, voilà, des membres qui composent désormais le GECAM. On peut seulement subodorer que les potentiels intéressés n'ont pas pu constituer des listes ou n'ont pas réussi à convaincre des personnes avec le programme. Parce qu'il n'y a pas que la liste, il y a un programme pour pouvoir enrôler des potentiels membres du conseil d'administration. Madame la directrice exécutive du GECAM, que répondez-vous à ceux qui soutiennent Mordicus, que tout était plié d'avance? Célestin Tawamba et Proteayamba, c'était les principaux organisateurs, ils ne pouvaient pas organiser leur match et le perdre. Alors je dirais que non, ça ressemble plus à des bruits de couloir qu'à la réalité, parce que les statuts tels qu'ils ont été conçus prévoyaient que si la tête de liste qui était présentée ou les têtes de liste étaient d'une organisation, le vice-président, parce que pour le premier mandat, il n'y a qu'un seul vice-président. Le vice-président devait être de l'autre organisation. Donc ça aurait pu être une tête de liste qui venait de ECAM et le vice-président serait venu de l'ancien GECAM. Alors maintenant, dire que c'était couru d'avance, je ne pense même pas. C'était sans surprise qu'on voit Célestin Tawamba empiler. Je ne trahirais personne si je disais que à l'issue, Monsieur Célestin Tawamba, je pense que je ne suis pas en train de trahir un secret. La liste de Monsieur Célestin Tawamba a été déposée, je pense, deux jours avant la clôture. C'est-à-dire au mois de mars. Deux jours avant la clôture. Mais ça fuitait déjà, puisqu'en février, nous, journalistes, on avait déjà la liste de M. Tawamba. Vous aviez la liste de M. Tawamba en février? Fait un reportage en février. Mais non, c'est impossible. Disons qu'elle a fuité. Elle n'était peut-être pas encore officielle, mais elle a fuité. Mais non, je ne vous crois même pas. Alors, les craintes des petits entrepreneurs, c'est d'être phagocyté par des mastodontes. Comment les très petites, les moyennes, les grandes, je parle justement des petites entreprises là, comment auront-elles ou pourront-elles avoir voix au chapitre quand le conseil d'administration est constitué essentiellement des grandes et des très grandes entreprises? Bon, déjà commençons par remettre l'église au milieu du village. Hein, c'est important. Pour vous dire ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. Avant, au GECAM, le conseil d'administration n'avait aucune obligation d'avoir en son sein ni des PME, ni des TPE. Il avait juste l'obligation d'avoir au moins 5 groupements, 5 associations professionnelles. Et puis le reste, c'était des membres lambda qui pouvaient venir de n'importe quel secteur. Première chose. Et au sein du GECAM en son temps, il n'y avait pas de très petites entreprises qui pouvaient ni siéger, ni avoir droit de vote. On avait ce qu'on appelait le centre de développement de la PME, qui était un centre d'incubation et d'accélération pour les très petites entreprises, parce que le taux de sinistralité de ces très petites entreprises est très important au Cameroun, autour de 97%. Donc c'était un centre qui avait pour ambition de capaciter ces très petites entreprises-là pour en faire des PME, pour qu'elles puissent adhérer au GECAM donc, et avoir voix au chapitre, c'est-à-dire droit de vote et ainsi de suite. Dans le GECAM, en capitalisant ce que ECAM a fait pendant tout ce temps, parce que ECAM, même s'il y avait à l'intérieur des CAM des grandes entreprises et des moyennes entreprises, mais le leitmotiv des CAM, c'était véritablement les TPE et les PME. Donc c'était de pouvoir capitaliser sur ce que ECAM a fait pendant tout ce temps et donner donc la place à ces très petites entreprises qui désormais pourraient avoir droit de vote en élisant des grands électeurs, 25 pour 5 voix, ce qu'elle n'avait pas avant au GECAM. Et au-delà de ça, si vous avez bien regardé le programme, et je pense que vous l'avez regardé, il y a tout un pilier sur l'accompagnement des très petites entreprises et des PME pour refléter véritablement notre économie. Parce que notre économie, comme vous le savez, est constituée à plus de 99% des PME. Tout à fait. Donc on n'entend pas, même si les très grandes et les grandes entreprises sont celles qui
si on va regarder dans la contribution au budget de l'État, sont celles qui contribuent le plus. Mais ces grandes entreprises-là emploient les PME et les TPE. C'est-à-dire que leurs sous-traitants, c'est les PME et les TPE. Donc c'est un ensemble, c'est un écosystème qui, dans lequel l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et il était temps de remettre toutes ces personnes autour d'une seule maison pour pouvoir, j'allais dire au maximum, créer cette synergie d'action qui nous permettrait peut-être de rendre la ZLECAF fière du Cameroun, parce que c'est un regroupement qui concerne toute l'Afrique. Il y a eu des bruits de couloir, comme vous l'appelez bien sûr, dire que cette élection n'est pas représentative des acteurs économiques camerounais. Il y avait moins de 300 électeurs sur plus de 1500 membres. Vous avez parlé de l'organisation des élections, des critères, etc. Bon, j'espère que la réponse a été donnée sur la question de la représentativité. Si vous voulez préciser deux mots là-dessus. D'accord, bien sûr, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le nombre de membres de l'organisation et il y a le nombre de membres qui peuvent être convoqués à l'AG. Qui avoisine 2000 aujourd'hui? On va dire autour de 1500. D'accord. Si on compte les membres directs et les membres indirects, parce qu'on a beaucoup d'associations professionnelles qui sont membres. Mmh. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour participer à l'Assemblée générale élective, il faut être à jour de ses cotisations échues. Et ceux qui étaient à jour de leurs cotisations échues étaient autour de 500. Dans les 500, le quorum est formé d'un tiers. Et ce quorum-là, c'était 180 personnes. C'est un tiers des membres présents et représentés. C'est 180 personnes. Donc, on a eu 295 suffrages, personnes, entreprises qui ont exprimé les suffrages. Mais dans ces suffrages, il faut savoir que dans les conditions de vote, il y a des gens qui n'ont pas très bien suivi les conditions de vote et qui ont donc laissé leurs bulletins dans les isoloirs. Et ces bulletins, à peu près une vingtaine, n'ont pas compté. Donc, on avait à peu près 320 personnes en salle. 320 personnes, ce qui nous met pratiquement le double du quorum qu'on était en droit d'attendre. Et si je dois juste vous préciser quelque chose, pour le JICAM, c'est la première fois qu'il y ait une telle mobilisation. Les précédentes élections, puisque ça ne concernait que toujours les membres qui sont à jour de leur cotisation, on était autour de 197 membres. Mais est-ce que vous comprenez quand même cette perception monolithique des géants industriels qu'on a remarqué sur des lèvres, plusieurs lèvres justement, parce que j'insiste sur cette question-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette perception, est-ce que vous comprenez quand même les craintes des petites entreprises, les petits entrepreneurs qui sont au GECAM aujourd'hui? Alors les craintes, honnêtement, je suis l'interface. Je suis l'interface au GECAM et ces craintes-là, j'avoue que je ne les ressens pas et ça ne m'est pas rapporté. Mais cela dit, c'est des craintes que je peux comprendre. Déjà, avant d'arriver à ces craintes, je voudrais préciser que sur le nombre de votants dont on a parlé tout à l'heure, il y a des nombres de voix qui sont associées. Donc, ces nombres de votants-là, c'était 560 voix. Parce que les voix, désormais, c'est en fonction du poids économique de l'entreprise que c'est attribué. Voilà. Donc, je voulais préciser cela. Donc, pour vous dire que je ne perçois pas les craintes des très petites entreprises. Mais cela dit, Sont-elles légitimes? Elles pourraient être légitimes. Elles pourraient être légitimes. Vous savez, on ne prêche que pour sa chapelle. Quand on a une douleur, on l'exprime et on essaie de trouver des solutions. Mais dans l'organisation qui va être mise en place, les très petites entreprises et les PME auront un accompagnement personnalisé. Au-delà de ce qu'on avait pu avoir jusque-là, un accompagnement qui leur permet justement, avec un ensemble d'outils que nous avons mis en place pour la gouvernance, comme la charte des grandes entreprises et PME, qui nous permet d'avoir un ensemble de règles édictées dans lesquelles les très grandes et les grandes entreprises, comment dire, s'alignent et qui permettent donc de pouvoir garantir cette synergie d'action avec les TPE. Par exemple, une très petite entreprise qui vient être sous-traitant dans une très grande entreprise, elle préfinance en général le marché qui lui est attribué. Donc ces règles-là permettaient par exemple d'être payée sur 60 jours.
que la grande entreprise s'engage à payer sur 60 jours pour qu'on ait plus cette impression que les très petites ou les PME financent les grandes entreprises à travers les prestations qui leur sont offertes. Mais il y a également la formation, il y a également le mentorat, il y a également l'accompagnement dans des sujets critiques comme la fiscalité, comme le droit foncier, comme le droit judiciaire, comme le droit douanier, dans lequel les PME qui n'ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises pour se payer des conseils, pour se payer des prestataires externes, pourront avoir un accompagnement véritablement personnalisé. Merci beaucoup. Nous allons marquer une première pause. Et comme il est de tradition dans ce rendez-vous des faits marquants de la semaine, nous ouvrons la page des reportages par des faits de société. Une jeune dame, une quarantenaire, a été froidement assassinée à Yaoundé, découpée, chargée comme un colis dans une valise et jetée dans un ruisseau. Son fils suspecté est passé aux aveux et à Douala, les meurtriers d'une topographe de 25 ans courent encore. Elle a été retrouvée morte avec la tête concassée à Bertois. C'est un lycéen qui a été poignardé mortellement lorsqu'il revenait des cours. Reportage. C'est elle, en image, visage serein, Sylvie Luzengoyebel, tombée entre des mains criminelles samedi soir, assassinée nuitamment, puis découpée en morceaux avant d'être transformée en colis dans deux valises. Découverte macabre dans ce petit ruisseau au quartier Toameki à Yaoundé. Là, je rentre, je lance un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là, là dans l'eau. Je dis, mais la valise ici même, pourquoi c'est trop bombé comme ça là? Mais là, je tâte la valise, La valise est dure, j'ouvre seulement un peu, je guette, je vois le gras, je soulève le gras. C'est qu'un fou même comme ça là que... Il découvre la mannequin et il met dans la valise, c'est la folie. Quand je touche seulement la peau, je vois que c'est un corps. Première valise dans l'eau sous le cacaoyer, la deuxième plus bas sous le manguier. Un corps divisé en deux et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu deux jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cavale et la gendarmerie après eux. Cette combinaison, Sandra Lorraine Mafou ne la portera plus jamais. La jeune topographe géomètre de 25 ans s'est faite froidement assassinée, la tête et les mains broyées. Pourtant, samedi matin, elle s'est rendue sur le chantier de Gombe, à Douala 5e, où elle travaille depuis quelques jours. Aux environs de 14 heures, ses parents recevront un appel qui va faire basculer leur vie. Son camarade, avec qui il était sur le terrain, à 14 heures, il voulait déjà rentrer. Comme il était fatigué, il a pris le devant pour dire qu'il part chercher la moto. Dès qu'il a retrouvé la moto, il rentre rechercher ma fille. Il ne la retrouve plus. Et entre-temps, maintenant, leur propre motoman qu'ils avaient réquisitionné est arrivé. Ils se sont mis dans la recherche de ma fille. Après plusieurs heures de recherche, la dépouille de la victime est finalement retrouvée. Le matin, maintenant, très tôt, j'ai interpellé ses collègues. Ils m'ont indiqué la route à suivre pour les retrouver à Ngombe. En arrivant, ils étaient sur les lieux. La gendarmerie est venue avec le médecin. On est donc entré sur le site. On a touché ma fille. Elle s'est retrouvée couchée au sol. On a constaté que c'est l'assassinat. Sa tête était broyée, les mains broyées. Tu sens que comment elle se défendait partout. Agnala Parizo, la maison familiale, porte le deuil. La famille, encore sous le choc, n'en revient pas. Au dire des proches, la topographe n'avait pas de problème avec son entourage. Le jour-là, je sentais déjà qu'elle n'est plus en vie. Elle n'est plus en vie parce que passer déjà une nuit à faire une soirée à faire les recherches vaines. Ça pouvait déjà qu'elle n'ait plus envie. Ils n'ont qu'un seul souhait, que justice soit faite. Je supplie seulement le président Paul Biya de nous venir en aide pour qu'on puisse retrouver les coupables. À Tindamba, lieu dit traversé du pont sur Ladia, le climat est encore glacial au sein de la famille Ahmed, famille de l'élève écossais Saïd Boussalo, 14 ans, assassiné à coups de poignard au lycée bilingue de Bertois le 28 mars dernier lors de la remise des bulletins. Les faits, quelques rapportés à la famille au fatidique jour de la remise des bulletins. L'enfant a quitté, s'il était presque 12 heures.
pour aller prendre son bulletin. Il était avec son grand frère Samson. Il dit à son grand frère, je m'en vais à l'école prendre mon bulletin, j'arrive. Une heure après, on appelle plutôt l'enfant, son grand frère Samson, que comme tu vois là, viens vite à l'hôpital. Samson a été assassiné par ses camarades de classe. Ça lui dépasse la situation là. Surtout moi, le père, là où je suis là, ça me dépasse. Au lendemain d'une descente de la régionale du ministère des enseignements secondaires de l'Est, la famille réclame toujours justice. Le corps de l'élève mis à la morgue attend d'être levé à quelques jours de la rentrée du troisième trimestre. Eh bien, la liste des crimes qui suscitent la haine, le dégoût, l'indignation n'est pas exhaustive pour ce qui est de cette semaine. Aline Valérie Bonneau, comment appréhendez-vous cette croissance exponentielle d'assassinats et dont les principales victimes restent des femmes comme nous? Ah, franchement, c'est tellement pénible les images que je viens de voir parce que ça remet la question des féminicides dans un certain nombre de pays au cœur des débats. Honnêtement, les mots me manquent. Je ne sais pas si les conditions difficiles de vie, je ne sais pas. Franchement, il n'y a rien qui peut justifier qu'on ne puisse pas discuter et qu'on soit obligé d'arriver à ce genre d'acte. Honnêtement, je n'ai pas de mots. On n'a pas envie d'imaginer que le coup fatal viendrait, par exemple, de son fils. On l'a vécu à Yaoundé. Voilà une jeune dame de 25 ans qui va exercer son métier. Elle est froidement assassinée. Un élève qui va à l'école, ce sont ses parents qui sont appelés pour récupérer la dépouille. On a le sentiment qu'il y a, on ne va pas dire le diable avec des mots tels quels, mais ça va de mal en pis. Et on a envie de se dire, est-ce que l'éducation est malmenée? Disons que moi j'ai un coupable tout trouvé, mais peut-être que c'est parce que j'ai une sensibilité avec le numérique qui est assez difficile. Mais je pense que Internet et les réseaux sociaux, ça n'aide pas beaucoup. Mm-hmm. Parce que s'il y a un ensemble de choses qui étaient inconnues des adolescents il n'y a pas très longtemps, maintenant sur Internet, vous avez toutes des astuces pour se droguer, toutes des astuces pour se suicider, toutes des astuces pour donner la mort à quelqu'un sans douleur, sans cri, ainsi de suite. Peut-être faudrait-il interdire les réseaux sociaux au Cameroun, dans notre contexte? En Chine, par exemple, TikTok, c'est banni, Facebook et plein d'autres réseaux, ils ont domestiqué leur propre réseau qui véhicule leurs valeurs, pas celles qui piétinent les valeurs de leur continent ou de leur pays. Faudrait-il arriver à ça? Il y a la Russie aussi. La Russie, donc, voilà. En fait, Internet tel qu'on le connaît dans le reste du monde, ce n'est pas celui qui existe en Chine ou en Russie, parce qu'ils ont un contrôle qui permet de véritablement vérifier ce qui est véhiculé au sein de leur population. Je pense qu'il faut aller... L'interdiction, je ne suis pas sûre non plus que ce soit véritablement la solution, mais il faut aller sur une vraie régulation. C'est une régulation dans le sens de rendre inaccessible un certain type de contenu pour un certain type de public. Parce qu'il faut savoir que les grandes plateformes, elles pensent qu'elles ont régulé. Par exemple, hein, je vous prends un exemple. Vous, dans les règles de Facebook, vous ne pouvez pas avoir un compte si vous n'avez pas 13 ans. Mais l'anonymat qu'offre Internet ne permet pas de vérifier qu'il y a 13 ans ou pas. Parce que derrière, ils n'ont pas mis un scan du visage ou un scan qui détermine votre âge et dont tout le monde ment. Et le pire, hein, c'est cette nouvelle race que je ne critique pas, mais je relève juste ces personnes appelées influenceurs ou influenceuses qui créent des comptes Facebook pour leurs enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Sur Internet, il n'y a rien qui s'efface. Que répondez-vous à ceux qui sont convaincus de ce que la quête effrénée de l'argent au regard du contexte économique difficile a amené un tout petit peu les parents à abandonner ce versant-là? On n'est plus très regardant sur le comportement de nos enfants et au final, on est surpris de ce qu'ils reproduisent. Parce que
la mère de l'enfant qui a asséné le coup fatal à son ami dira « Je ne m'attendais pas à ça, je n'ai pas appris ça mon enfant ». Mais tout le monde s'en va, parfois ce sont les nounous qui s'en chargent et on sait l'influence de la nounou n'est pas toujours à un certain top pour l'encadrement des enfants. Disons que c'est un échec collectif, hein. Je suis peut-être dramatique mais c'est mon avis, c'est un échec collectif. C'est l'échec de notre système éducatif, c'est l'échec du laxisme des parents, c'est l'échec de la société tout court. Parce que, à mon époque, hein, et je ne pense pas que je sois si vieille que ça, à mon époque, je pouvais être réprimandée par le voisin qui pouvait m'asséner une bastonnade en bonne et due forme. Et mon père n'avait pas à demander pourquoi vous avez tapé sur ma fille, parce que mon père, pour lui, c'était normal qu'un adulte corrige un enfant. Mais maintenant, sous le prétexte de la modernité et d'un ensemble de choses, il y a toutes ces valeurs-là qui ont disparu. Le civisme seulement dans les écoles, c'est devenu plus une option. On va dire que qu'une obligation. L'insécurité et les affaires ne font pas bon ménage. Comment est-ce que vous vous adressez cette problématique au sein de l'organisation dont vous êtes l'interface? Alors l'insécurité, bon, disons que qui trop embrasse mal étreint. Donc nous, à l'organisation, on se consacre sur l'insécurité des affaires. Ouais. Et l'insécurité des affaires, pour nous, c'est un ensemble de pesanteurs. C'est un ensemble de politiques publiques qui sont pas très adaptées au véritable contexte. C'est une fiscalité qui est également inadaptée. C'est un régime foncier qui est totalement dans une insécurité, mm-hmm. parce que vous pouvez être détenteur d'un titre foncier aujourd'hui et demain vous apprenez qu'il a été annulé, ou alors vous pouvez avoir plusieurs personnes détentrices d'un titre foncier sur un même terrain. Pour les investissements, c'est la pire des choses qui puissent arriver, parce que le véritable investissement est impulsé par le secteur primaire et le secteur secondaire. Mmh. Le secteur primaire, c'est tout ce qui est agriculture, industrie extractive et tout. Le secteur secondaire, c'est l'industrie de transformation. Alors, on ne peut pas faire ces deux choses-là sans les terres. Et donc, si vous avez une totale insécurité foncière, ça peut être très difficile pour la suite. Alors, pour doper la croissance économique du Cameroun, le GECAM se veut être l'acteur de référence pour la promotion des entreprises, promouvoir leurs intérêts, les défendre, etc. Alors, qu'est-ce qui fait défaut pour la survie des entreprises au Cameroun? On va parler également de l'amélioration de leur statut. Quand on regarde tout au bas de la pyramide, on a le secteur informel qui est dominant, on a la très petite entreprise, on a les PME, et au sommet, on a un effectif maigrelet des grandes et des très grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait défaut? Disons qu'un ensemble de choses. Un ensemble de choses, peut-être que je vais garder votre stratification. Je vais commencer par le bas. Les très petites entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, le taux de sinistralité est très très important, c'est autour de 97. Sur les 5 ans, une entreprise qui ouvre ferme dans les 5 ans. Au moins 1 sur 10. Diagnostic fait. 9 sur 10. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Déjà à cause d'un système fiscal qui est totalement inadapté. Le système fiscal prévoit qu'une entreprise qui ouvre, donc qui est dans la catégorie des entreprises du régime simplifié, paye 5% de son chiffre d'affaires d'acompte, c'est-à-dire d'avance. Mm-hmm. 5% de son chiffre d'affaires par mois. Et c'est un minimum de perception. Parce que... ça fait 60% au bout d'un an. Ça fait 60% au bout d'un an. Alors, si vous avez trop payé, on vous dit que vous avez un crédit d'impôt, sauf que vous n'avez plus de trésorerie. Et donc, la majorité des entreprises qui sortent du bois pour se mettre dans le secteur formel rentrent dans le secteur informel quelques années après. Parce que, rassurez-vous, elles ne disparaissent pas. Elles vont juste grossir les rangs du secteur informel. Ou changent de nom. Ou changent de nom. Alors, pour les entreprises qui sont dans le régime réel, dont les moyennes, les grandes et certaines PME, c'est 2,2% du chiffre d'affaires qui vous est prélevé tous les mois, que vous payez tous les mois à titre d'acompte sur l'impôt sur les sociétés. Sauf que dans le secteur secondaire, et déjà vous devez savoir que le développement d'un pays est impulsé par le secteur secondaire, le secteur de la transformation. Dans le secteur de la transformation, les marges sont en général autour d'1 et 1,5.
C'est facile de comprendre que quand quelqu'un paye 2,2% de son chiffre d'affaires, il a pris sa marge et il a pris sa trésorerie. C'est-à-dire qu'il est presque difficile d'évoluer dans ce sens. Alors, ce qui nous est souvent retorqué, c'est « mais pourquoi il ne ferme pas ?» Alors, le fait de survivre, le fait d'être résilient, ça ne nous rend pas... Ils deviennent involontairement des délinquants fiscaux. Alors, délinquants, pas forcément. Il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns pour la survie. On ne le défend pas. Au contraire, on voudrait justement que les pouvoirs publics et notamment la Direction générale des impôts soient à nos côtés pour pouvoir débusquer ces délinquants-là parce qu'ils font du mal à l'ensemble du secteur. Et du coup, tout le monde est plus ou moins perçu comme quelqu'un qui pourrait être un potentiel tricheur. Mais la réalité, c'est que ce système fiscal doit être revu pour entrer dans l'orthodoxie qui est prévue. Parce qu'il faut savoir que le même Code général des impôts vous dit, en réalité, ce que vous payez, c'est 33% de votre revenu à titre d'IS. Oui. Donc, si vous payez 33% de votre revenu, revenons sur le système, sur le secteur industriel. Si la marge est de 1%, c'est 33% d'1% qui devrait payer. Mais sauf que si vous avez déjà versé l'acompte, qui est le minimum de perception, à la fin de l'année, vous avez trop payé et ça vous est considéré comme un crédit d'impôt. Alors, juste pour clôturer ce sujet, vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le minimum de perception, c'est 0,5%, plafonné à 30 millions. Vous voyez la différence? Ça explique le gap. Du développement qu'on voilà. est en train de vivre. Donc, du coup, on a des entreprises de la Côte d'Ivoire qui survivent et pas des entreprises qui impulsent un véritable développement. Vous avez parlé tantôt du secteur secondaire qui porte le développement. Alors, on est à moins de 10% des exportations des produits manufacturés en zone CEMAC, le Gabon, et la Guinée équatoriale dévance le Cameroun en matière d'industrialisation, si on s'en tient au rapport de la mission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Alors, quelle sera, madame la directrice exécutive du GECAM, quelle sera la partition que va jouer le GECAM dans les projets de développement tels que la SND30, on est en plein depuis l'année 2000, le projet ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Alors déjà, je voudrais commenter, on ne commente pas les commentaires, mais j'aimerais bien commenter l'entame de votre propos. Ouais. Alors, ces études donc, qui placent le Gabon et la Guinée équatoriale devant le Cameroun. En matière d'industrialisation. En matière d'industrialisation. Ça pourrait être la politique d'import-substitution. Je m'explique. Si vous avez un secteur industriel qui développe des produits, qui met des produits sur le marché et qui n'a pas la garantie de pouvoir les écouler parce que la politique d'import-substitution est, j'allais dire, est insuffisante, vous n'aurez pas un secteur industriel développé. Restons sur le Gabon. Mmh. Au Gabon, pour promouvoir l'industrie locale, notamment l'industrie pharmaceutique, le Gabon a interdit l'importation d'un certain nombre de produits pharmaceutiques qui sont fabriqués au Gabon. Pour une préférence nationale. Pour une préférence nationale. Mais ça ne fonctionne que si vous êtes sûr que l'industrie locale satisfait la demande. Et c'est le cas. Voyez-vous, au Cameroun, nous avons une industrie pharmaceutique qui satisfait la demande en matière de fabrication de solutés pharmaceutiques, d'un certain nombre de médicaments génériques comme le paracétamol et ainsi de suite. Mais il n'y a aucune interdiction d'importer ces médicaments. Et ces médicaments sont principalement importés des pays comme l'Inde, dans lesquels ils sont, on parle des génériques, forcément fortement subventionnés, et donc qui ont des avantages comparatifs qui ne peuvent pas permettre à l'industrie locale d'être compétitive sur le marché. Ils lui font une sorte de concurrence. Absolument. Donc alors, quel est le rôle donc, que le GECAM entend jouer dans une politique comme la SND30 et la ZLECAF? Déjà, nous entendons, sur la base du programme de la liste élue, se positionner véritablement au cœur, j'allais même dire au centre des politiques publiques qui ont une influence sur l'environnement des affaires. Voyez-vous, un document aussi important que les stratégies nationales de développement ne pourrait pas être élaboré
sans le secteur privé, sans le patronat. Parce que quel que soit le niveau d'information que vous pouvez avoir, de par votre posture de fonctionnaire, d'administrateur civil, il y a des réalités du secteur industriel, du secteur de la transformation, du secteur tertiaire que vous ne pouvez pas connaître. Et inversement, c'est-à-dire quel que soit notre niveau d'intelligence au patronat, on ne pourrait pas avoir les véritables enjeux du secteur public. C'est pour cela que le dialogue public-privé est totalement indispensable pour la mise en place des politiques publiques. Vous ne pouvez pas prétendre mettre en place une stratégie de développement sans les personnes qui sont censées les mettre en œuvre. Vous devrez pouvoir discuter ensemble pour savoir quels sont les secteurs prioritaires, quels sont les secteurs porteurs, quels sont les secteurs dans lesquels il y a déjà des premiers investissements qui ont été faits et qui peuvent accélérer le développement. Donc, ce qu'on entend faire, c'est véritablement de s'imposer dans le débat public et de permettre que, ou alors de forcer la main au pouvoir public pour que nous soyons ce partenaire incontournable et indispensable dans la mise en place des politiques. Les entreprises qui sont au GECAM sont-elles prêtes à se lancer dans les défis qu'impose la ZLECAF aujourd'hui? Alors, les défis qu'impose la ZLECAF, déjà, vous allez m'obliger à en parler, hein. Parlons-en. La ZLECAF, c'est libre-échange dans un continent. Alors, pour cela, il faut un ensemble de choses. Déjà, il faut produire. Il faut produire suffisamment pour satisfaire la demande interne et pour pouvoir exporter une partie à l'extérieur. Pour cela, il faut déjà que les conditions internes de production soient les plus compétitives possibles. Première chose. Mm-hmm. Deuxièmement, comment vous faites pour exporter à l'extérieur? Il faut les infrastructures routières. Troisième chose, il faut une monnaie. Quand vous avez une zone de libre-échange dans laquelle vous avez autant de monnaie que nous avons en Afrique, j'allais dire, il y a des pesanteurs naturelles qui vont forcément ralentir cet échange-là. Et effectivement, il y a également une partie diplomatique. Si vous n'avez pas un passeport africain, ou alors s'il y a un ensemble de visas qui sont encore imposés de zone à zone ou à l'intérieur même des zones, dans l'UEMOA, c'est un peu plus fluide. Les entreprises et les personnes physiques ainsi que les marchandises fonctionnent, circulent d'un pays à l'autre, mais dans toutes les zones, ce n'est pas garanti. Vous avez encore besoin de visa pour aller d'un pays à l'autre au sein même des sous-régions. Donc, c'est cet ensemble de choses qu'il faudra faire et nous entendons justement être, j'allais dire, le souffleur, j'allais dire le partenaire des pouvoirs publics dans l'ensemble des propositions qui vont être faites pour rendre tout cela possible. Nous allons marquer un autre arrêt pour vivre cette Assemblée générale élective qui a eu lieu au GECAM. C'était mardi 9 avril 2024. En votant l'unique liste conduite par Célestin Tawamba à 98,18%, les chefs des très grandes et petites entreprises disent avoir fait le choix de l'efficacité par l'unité. Ce premier bureau au GECAM qui réunit les petites, les moyennes et les grandes entreprises pour nous représente une force, une voix importante parce que ça réunit tous les aspects de l'économie. Et tout le monde, nous on sait que le secteur privé, c'est elle qui crée les richesses des pays et distribue en même temps. Pas les salaires qu'on paye, pas les impôts qu'on paye et tout le reste. Donc si on est réunis pour se rassurer que l'économie de notre pays marche, on va vers le gouvernement avec une voix unie. Bien que proche du plébiscite, la liste votée a plusieurs défis à relever. Que le groupement arrive à encadrer aussi bien les grandes entreprises que les petites et les très petites entreprises. Nous savons qu'il y a 92% des PME dans notre économie qui souffrent de beaucoup de maux. Manque de financement, pas de formation adéquate, gouvernance insuffisante, etc. Donc il y a beaucoup de travail. Un nouveau départ après offensive et contre-offensive par devant les tribunaux entre ceux des membres pour et contre la fusion-création. Les sons discordants sont derrière nous. Chacun a compris où se trouvait son intérêt. Et le patronat aujourd'hui a besoin des personnes convaincues de la nécessité de se mettre ensemble pour être plus fort, plus solide, pour parler d'une même voix.
Pour le nouvel exécutif, c'est l'ère de la rupture avec le passé. Nous devons résolument nous consacrer au service des adhérents, être à leur écoute, quelle que soit leur taille, les protéger contre les infortunes, les aléas, les crises. Après 6 années passées à la tête du défunt JICAM, Célestin Tawamba est le chef d'une nouvelle dynamique patronale unifiée, le JICAM, pour un mandat de 4 ans. Protea Ayorma de l'ex-ECAM assurera la fonction de vice-président. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous sommes en compagnie de la directrice exécutive du JICAM, Aline Valérie Bonneau. Alors, le président Célestin Tawamba place ce mandat sous le signe de la rupture. Vous lisez peut-être de temps en temps la Bible. Il est écrit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Je rappelle, il est président et Protea Ayorma, vice-président. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement dans cette politique de rupture? Alors, si on veut résumer cela, on va l'aborder sur 3 angles. D'accord. Alors, la rupture, ce serait déjà premièrement dans la structuration de l'organisation. Les deux organisations, telles que vous le savez, avant, c'était un JICAM qui était plus axé vers les entreprises de grande taille, même s'il y avait pas mal de PME qui étaient membres. Et on avait une entreprise du Cameroun dans l'organisation ECAM qui était plus axée PME. Donc, dans une structuration totalement unifiée, et qui s'est imbriqué dans les deux organisations qui ont fusionné, nous aurons désormais les très grandes, les moyennes, les PME et les très petites entreprises pour permettre justement, on ne le dira jamais assez, ces synergies d'action dans ce qui reflète véritablement l'écosystème de notre environnement économique. Ensuite, la deuxième rupture, c'est dans le positionnement. C'est dans le positionnement. Si vous êtes une organisation patronale, fût-elle la première organisation patronale, et que vous devez chercher votre place parmi 3 autres organisations ou 2 autres organisations, vous ne vous positionnez pas de la même manière, même dans le dialogue. Parce que vous, et les pouvoirs publics jouent très bien ce rôle, c'est de bonne guerre, hein? c'est pas pour le fustiger que je le dis. Si on discute avec X, et qu'on a l'impression que X durcit le ton, on va voir Y. Même s'il n'est pas assez représentatif? Même s'il n'est pas assez représentatif, malheureusement, dans notre pays. Dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça exactement. Et vous faites bien de poser la question. Peut-être que si on a une minute après, on pourra parler de cette représentativité. Donc, quand vous savez désormais que vous êtes cette organisation-là qui regroupe autant de personnes, et je dois le rappeler, l'influence d'une organisation patronale, ses mesures à sa représentativité, à son inclusion, au nombre d'instances dans lesquelles elle est représentée. Et en son temps, nous étions représentés JICAM dans à peu près 65 instances décisionnelles et ECAM dans à peu près 42. Donc, nous serons représentés désormais dans plus de 100 instances décisionnelles et c'est ça véritablement l'influence. Et ce positionnement-là nous oblige à avoir un nouveau langage, le langage qui oblige l'autre à nous parler, qui oblige l'autre à nous voir avant toutes sortes de décisions. Comme partenaire. Comme partenaire, bien sûr. Mm-hmm. Il ne s'agit pas d'avoir notre autorisation, loin s'en faut. Il s'agit que chacun joue sa partition. Dans un pays, les pouvoirs publics donnent l'orientation, mettent en place des stratégies, sont des facilitateurs. Mm-hmm. Mais c'est lui qui crée véritablement la richesse, c'est le secteur privé. Donc si les deux ne s'entendent pas, on n'a pas un pays qui est développé. L'État-providence, ça ne peut pas fonctionner. L'État qui pourvoit tout. Il faut que chacun joue son rôle. Et la troisième étape, le troisième point de la rupture, c'est dans la manière de servir. C'est dans la manière de servir. Il faudrait que tous les adhérents du JICAM aient l'impression qu'ils sont suivis littéralement au corps à corps. Passez-moi l'expression. Une grande entreprise qui a des défis qui sont différents de celles d'une PME ou d'une TPE, doit pouvoir avoir une interface au JICAM
qui va la rencontrer régulièrement, qui collecte ses besoins, qui collecte ses propositions pour améliorer que ce soit son secteur d'activité ou simplement les entreprises de sa taille. Il faudrait également, dans la manière de servir, et c'est prévu, que les PME aient un ensemble de facilitations d'accompagnement. J'ai bien aimé tout à l'heure, quelqu'un a parlé du problème de financement. Voyez-vous, il y a un ensemble d'initiatives qui financent les PME dans un ensemble de structures partenaires, des partenaires internationaux. Nous, on ambitionne d'avoir une sorte de cartographie de tous ces financements-là, de pouvoir les présenter aux PME et de les accompagner véritablement dans la constitution des dossiers pour pouvoir capter ces financements. Alors, le GECAM se veut être rassembleur, unifié, mais le oui n'a pas été obtenu à 100%. On se souvient de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2023. Le oui, on l'a obtenu à hauteur de 73%. Et lors de l'Assemblée générale constitutive de décembre dernier, le 14 décembre dernier, il y a eu à la suite de cela des procès. Il y a eu, on parle d'une procédure judiciaire qui est restée pendante. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment avez-vous géré cette crise-là? Alors, je me rends compte que c'est un peu difficile pour tout le monde de laisser le passé derrière lui. J'aurais dit... On a l'opportunité de vous avoir. On voudrait avoir des réponses à toutes les questions qui se posent au SOCAP. Je vais me faire violence et revenir sur cette partie. Faire violence, pour moi, c'est juste parce que, de notre point de vue, c'est passé, c'est derrière nous. Mm-hmm. Mais qu'à cela ne tienne, peut-être qu'un éclaircissement, ça ne mange pas de pain. Il y avait un ensemble de procédures, notamment, je vais vous en citer quelques-unes, hein. Je ne me souviens plus exactement peut-être du nombre. Peut-être en 40 secondes. Voilà, très rapidement. Il y avait une procédure pour interdire la tenue de l'Assemblée générale pour le vote de la fusion, celle du 11 juillet. Cette procédure-là, elle est caduque d'elle-même à partir du moment où l'Assemblée générale s'est tenue. Mais cette procédure, c'était quatre entreprises principalement qui avaient introduit ces procédures. Certains ont retiré ce qui concerne ces procédures. Il y avait une procédure pour laquelle ils avaient été déboutés, un recours dans lequel ils avaient été déboutés, et il y avait un recours sur l'annulation du traité de fusion, qui, je pense, devrait encore être pendant. Alors, ce qui est bon à savoir... Vous comprenez que c'est intéressant, puisque voilà, ça reste pendant. Alors, il y a des situations ultérieures, il y a des situations futures, qui rendent caduque une situation ancienne, antérieure, y compris un recours antérieur. Déjà, il convient de souligner que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont venus apporter leur soutien au président Tawamba l'autre jour. Avait-il le choix? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ils avaient le choix. Bon, tous ceux qui ont décidé de suivre ou de ne pas suivre le mouvement. Oui, mais ceux qui ont décidé de contester le projet de fusion-création, ils ne vont pas être éjectés du GECAM, tout au moins au nom de la démocratie associative, non? Mais il n'en a jamais été question. Il n'en a jamais été question. Et vous devez savoir que dans une association d'employeurs, vous appelez ça des querelles, nous on appelle ça des discussions. Les discussions sont, j'allais dire, indispensables pour permettre d'avoir tous les avis et pour pouvoir prendre des positions qui permettraient soi-même d'abord de se challenger. Et ensuite de pouvoir, j'allais dire accommoder, c'est un mot anglais, mais d'accommoder tout le monde. Donc ces personnes-là, il n'y a aucune chance qu'elles soient éjectées du GECAM. Et je ne pense même pas qu'elles-mêmes voudraient s'éjecter du GECAM. Et je vous le rappelle, il y en a bon nombre qui étaient là à la dernière assemblée. Bon, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas à jour de leur cotisation, donc ils ne pouvaient pas être là pour cette raison-là. Donc pour nous, c'est un incident, j'allais dire, qui est derrière nous, puisqu'il s'agit maintenant de construire ensemble. Ensemble, on reste plus fort. Et vous allez construire avec des chefs d'entreprise relevant des multinationales. On parle par exemple du secteur de la téléphonie mobile, la société brassicole du Cameroun, la société d'exploitation des palmeraies. La question, c'est, au nom du patriotisme économique, vous n'allez pas rester les bras croisés face à la fuite des capitaux des entreprises qui ne remplissent pas leur cahier de charges, qui laissent des Camerounais dans des services mal faits, si je mets le doigt par exemple sur
la téléphonie. Il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale tapait le poing sur la table pour dire qu'il y a un problème d'insécurité au Cameroun du fait que des puces non identifiées sont en circulation. On avait parlé des problèmes d'accès à l'électricité et bien d'autres choses. Le JICAM, le GECAM, j'insiste là-dessus, le patriotisme économique. Le Cameroun d'abord, et vous êtes le groupement patronal des entreprises camerounaises. Très bien. Alors, le patriotisme économique, je ne pense pas que ce mot soit nouveau, ni que ces membres que vous avez si bien cités soient de nouveaux membres. C'est des membres qui font partie du JICAM depuis... Du conseil d'administration. Du JICAM d'abord, depuis de très très longues années. Oui. Parce qu'il faut savoir que pour faire partie du conseil d'administration, il faut d'abord être membre du JICAM. Et ces entreprises sont membres du JICAM. Maintenant, patriotisme économique, j'allais vous dire, remettons d'abord les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'une multinationale? C'est une entreprise, si on se base sur l'acte uniforme de l'OADA, c'est une entreprise qui a des capitaux étrangers, mais qui s'établit suivant le droit du pays dans lequel il est établi. Donc ce sont des entreprises de droit camerounais qui ont des capitaux étrangers. Avec un cahier de charges défini. Bien sûr, qui emploient des Camerounais. Les cahiers de charges définis, c'est dans le cadre de ceux qui ont des concessions. Si vous avez une convention de concession, comme les opérateurs de téléphonie mobile que vous avez si bien cités, vous avez donc un cahier de charges qui est contrôlé par le régulateur. La concession vient simplement de ce que c'est un service public qui est concédé à une entreprise privée pour soulager l'État qui ne peut pas être opérationnel. Mais toutes les multinationales que vous avez citées, qui pour moi restent des entreprises de droit camerounais, n'ont pas de convention de concession. Nous ne sommes pas dans des domaines où il y a des conventions de concession. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous entendons jouer comme rôle? Notre rôle habituel, c'est d'abord de s'arranger à ce que nos membres soient exemplaires, de faire en sorte que nous puissions faire envie à n'importe quel entrepreneur de pouvoir entreprendre au Cameroun. Et le deuxième rôle, c'est de pouvoir défendre les intérêts des membres auprès des pouvoirs publics. Quand vous en... Sans vouloir savoir qu'est-ce qui a été reproché aux entreprises dont vous parlez, en général, dans un cahier de charges, il y a des obligations des deux parties. Des fois, il y a des obligations qui ne sont pas accomplies par une partie, simplement parce que l'autre partie n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir accomplir ses obligations. On ne va pas rentrer... L'accès à l'électricité, par exemple dedans. Alors, l'accès à l'électricité, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Voyez-vous, dans le plan directeur d'industrialisation qui a été mis en place par le Cameroun depuis 2015, il était prévu que nous serions à 23 000 mégawatts d'électricité. Nous sommes à 1300 environ. Et le besoin en énergie du secteur productif non satisfait est autour de 380 mégawatts. Nous avons le potentiel hydroélectrique le deuxième plus important en Afrique. Cela veut dire que quand Oko El-Mantedo me faisait réciter qu'au Cameroun, il y a un potentiel hydroélectrique de temps et qui nous permettrait d'avoir tel type de barrage, tel type d'infrastructure électrique, je ne pouvais pas m'imaginer qu'en 2024, nous serions encore avec des délestages. Donc, c'est pour vous dire quoi? Le distributeur distribue ce qui est produit. Pour parler d'Eneo, il est distributeur d'électricité. Dans la distribution, il y a 20% qui sont perdus du fait aussi de la vétusté du matériel oui. Et un ensemble de pesanteurs. Mm-hmm. Parce que quand vous avez un barrage qui est censé résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui, comme celui de Natchigal Hydropower, avec 420 MW, et que nous sommes déjà à plus d'un an de retard par rapport à ce qui était prévu, ça ne permet pas de pouvoir distribuer cette énergie qui avait déjà été projetée. Je peux vous proposer un élément à mettre dans votre plan de rupture? Oui. Militer pour qu'il y ait des micro-barrages au Cameroun. Les entrepreneurs camerounais pourraient se mettre ensemble. Dans tous les villages au Cameroun, il y a au moins 100 cours d'eau. En France, il y a plus de 100 barrages et ça permet de maximiser l'offre en énergie électrique
Vous devez être connecté à... L'électricité, c'est le carburant de l'économie. Sans électricité, sans énergie électrique, on ne peut pas avancer. On nous signale au niveau de la réalisation que nous avons consommé notre temps d'antenne. C'est allé très rapidement. Aline Valérie Bonneau, votre mot de fin pour conclure cette émission. Je vous promets qu'on va la refaire. Ah oui, ce serait bien. Parce que il y a beaucoup de points qui ont été inachevés. Ça me laisse un arrière-goût. Mais je voulais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité d'apporter quelques petits éclaircissements, même si on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on aurait pu dire. Il y a encore beaucoup à dire, notamment sur l'environnement des affaires. Ce serait quoi la principale sur l'environnement des affaires en une minute? Non. Ça me prendrait beaucoup plus qu'une minute. Sur l'environnement des affaires, sur le positionnement nouveau de notre organisation, il y aura encore pas mal de choses à dire et j'espère qu'on aura une prochaine occasion. On aura l'opportunité de revenir. C'est un chantier qui se veut très grand. On a des grands projets de développement au Cameroun. Nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission La Rétrospective de l'Information sur Canal 2 International. La suite de l'émission, nous allons suivre ce reportage qui met un point d'honneur sur la sortie du ministre Paula Tanganji. Il demande aux entreprises de téléphonie mobile au Cameroun de se mettre à jour en matière d'identification des puces en circulation. 450 puces de téléphone non identifiées saisies lors des opérations contre les terroristes sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que dans les régions de l'extrême nord, à chaque coup de force, presque une trentaine de téléphones portables sont retrouvés. Grâce à ces outils, ces ennemis de la nation peuvent communiquer, mais pas que. Pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 320 millions de francs ont été payés aux terroristes dans les réseaux de paiement MTN et Orange. Dans les régions de l'extrême nord et de la Damawa, près de 75 millions ont été payés après les kidnappings et demandes de rançon. C'est hors la loi, s'engraissent et financent leur sale besogne sur le dos des pauvres populations dépassées par les événements. Les informations rendues publiques ce 8 avril au cours d'une rencontre avec les responsables des entreprises de téléphonie mobile et de l'antique résulte d'une collecte minutieuse de données chiffrées durant une année entière. Au regard du mal causé, Paula Tanganji veut fermer ce robinet financier ouvert grâce à des cartes SIM non identifiées et boucher le boulevard sans visage du mobile money. Dans un délai de 60 jours, donner aux minutes la liste de tous ceux qui sont chargés de vendre vos produits dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. En synergie avec les opérateurs du secteur de la téléphonie mobile, le ministre de l'administration territoriale veut couper les vivres à ces individus sans foi ni loi, ayant fait de la terreur un fonds de commerce très lucratif. Plus qu'une conférence, c'est un témoignage. Je n'étais pas un réfugié. J'étais un fugitif. Ce qu'il a vu, entendu et vécu durant son séjour à La Haye, Charles Blégoudé balance tout. Le 17 janvier 2013, très tôt le matin, la porte est défoncée. La police ghanéenne me met aux arrêts. Je suis mis dans un coffre de voiture sans me présenter un seul avocat. Conduit en Côte d'Ivoire, où je suis détenu en isolement pendant 14 mois. Une sortie sans langue de bois où l'ancien pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo retrace ses années de détention et d'exil à la suite des violences post-électorales qui ont agité son pays de 2010 à 2011. Mais si l'homme politique ivoirien ressort ce passé sombre, c'est pour faire une analyse critique de la juridiction internationale. Il décrit entre autres un mécanisme bien ficelé où les Africains sont les seuls clients de la CPI. Il y a des conflits partout, ailleurs, à part l'Afrique. Pourquoi ce sont seulement des Africains qui sont transférés à la CPI? Et pour que ce qui lui est arrivé n'arrive plus à un autre Africain, Blégoudé est porteur d'un message de libération pour le continent. Il développe le paradigme de la déconnexion. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer avec ses propres paradigmes? Pourquoi chercher un pôle et ne pas chercher à être le pôle aussi?
le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, vante les mérites d'une Afrique originale et sans complexe qui s'affirme par sa culture. L'ancien ministre de la Jeunesse propose donc de mettre en place un pôle solide qui ne s'oppose pas aux autres entités, mais taillé à la mesure des Africains eux-mêmes. En deuxième partie de cette émission, nous recevons le président de l'interprofession avicole du Cameroun, François Ndjonou. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonjour madame. Alors je rappelle que dans deux semaines seulement, la capitale politique du Cameroun va vibrer au rythme du salon avicole international. Le SAVI, c'est quoi pour ceux qui ne sont pas assez connectés? Oui, exactement. L'événement aura lieu le 23, 24 et 25 avril au Palais des Congrès à Yaoundé. Donc le SAVI, c'est quoi? Le SAVI, c'est un salon, oui. comme son nom l'indique. C'est un salon qui regroupe les professionnels de la filière avicole du Cameroun, les professionnels qui sont à l'étranger aussi. Donc c'est un salon international, parce qu'il faut le préciser. Donc, c'est un lieu de rencontre des professionnels, que ce soit des professionnels étrangers, ceux du Cameroun, c'est là où ils se rencontrent. Vous présentez le savoir-faire, vous présentez les dernières innovations technologiques dans le domaine, vous savez, parce que le domaine avicole, c'est un domaine qui est assez dynamique, hein, donc ça change tous les jours. Donc, tous les deux ans, nous organisons donc ce salon pour que les agriculteurs découvrent tout ce qui a été découvert pendant les deux ans, en fait, si vous voulez. Donc, toutes les dernières innovations, tout ce qui a été découvert pendant ces deux années. Et aussi, présenter le savoir-faire, parce qu'au Cameroun aussi, il y a des entreprises, hein, des entreprises agricoles assez dynamiques, hein, qui produisent, qui font aussi des recherches. On a aussi les professionnels qui sont dans des écoles de formation, hein, qui sont dans des instituts de formation, je veux dire, et qui viennent au salon et qui, pour la plupart d'entre eux, qui viennent nous faire des exposés scientifiques, parce qu'on communique sur des sujets d'intérêt général dans la filière agricole, ou bien d'intérêt spécifique parfois. Donc on trouve des professionnels qui viennent communiquer sur ces sujets, qui parlent de ces sujets. Il y a des échanges, il y a aussi pendant ces salons que des financiers qui sont invités. Il y a des administrations aussi. Donc, c'est un lieu où tous les intervenants de la filière agricole se retrouvent pour discuter des problématiques de la filière agricole. Quand on parle de filière avicole, il faut comprendre rapidement des poules pondeuses et des poulets de chair, même si le secteur avicole englobe bien d'autres domaines, mais au Cameroun, c'est singulièrement ces deux espèces-là. Alors, Monsieur le Président, quelles seront les partitions à jouer par l'IPAVIC dans l'organisation de ce grand rendez-vous international qu'abritera le Cameroun? Quelle sera la partition de l'IPAVIC d'une part et celle du Minepia d'autre part? Oui, et il faut rappeler, quand on parle de l'agriculture, il ne s'agit pas que des poules pondeuses et des poulets de chair. Voilà. Bon. C'est vrai qu'au Cameroun, ce sont les espèces que nous avons développées. Il y a les oies, en fait, on parle des oiseaux en général. Les oiseaux en général. Voilà, c'est ça, avicole, ça vient. Donc, concernant donc la préparation ou bien le salon avicole, le SAVI. Au Cameroun, par exemple, au Cameroun, c'est le Minepia et l'interprofession agricole du Cameroun, les deux qui organisent le SAVI. Donc, c'est les deux qui organisent, ce sont des partenaires qui organisent le SAVI. Donc, sur l'IPAVIC est l'organisation technique, hein, parce qu'en fait, vous savez, s'il faut trouver des exposants étrangers, s'il faut trouver des professionnels de la filière agricole, s'il faut parler des techniques avicoles, s'il faut faire des échanges, trouver tous ceux qui font dans les innovations technologiques, des partenaires étrangers, autres, c'est le rôle de l'interprofession, en fait, parce que c'est eux qui exercent tous les jours. Mais de l'autre côté, il y a le Minepia, le ministère des élevages, des pêches et des industries animales qui nous encadrent. Mais vous savez, c'est eux qui nous encadrent, hein, qui nous montrent la direction à suivre selon la politique gouvernementale. Donc, et le Minepia est là pour nous aider à développer l'agriculture. Donc, c'est le Minepia qui est notre partenaire administratif. Si vous voulez. Alors, raisonnablement, pour ce salon de 2024, à quoi les éleveurs
et autres professionnels seraient en droit d'attendre en participant à une rencontre comme celle-là? Vous m'avez donné l'occasion de demander aux éleveurs, à tous les professionnels, de venir très nombreux. La précédente édition qui a eu lieu en 2022 a vu près de 1600 participants, ce qui était beaucoup, parce que vous savez, c'est la cinquième édition. Oui. Et chaque année, à chaque édition, nous constatons qu'il y a de plus en plus de participants. Donc, cette fois, il y a, comme d'habitude, des communications scientifiques, par exemple. Mm-hmm. Il y a des rencontres B2B. Il y a plusieurs pays qui participent. Hein, donc, par exemple, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Turquie et par exemple l'Espagne et autres. Il y a même dans la sous-région une délégation que nous attendons. Nous souhaitons que cette délégation arrive de haut niveau qui vient de Centrafrique. Donc voilà. Et il y a donc beaucoup de professionnels qui viennent et d'ailleurs et du Cameroun. Mm-hmm. Donc tous les éleveurs qui sont au Cameroun surtout sont invités. Ils sont invités à venir découvrir donc les dernières innovations et puis il faut rappeler que tous les étrangers, tous ceux qui viennent surtout l'étranger sont beaucoup pour la plupart des fournisseurs de souches, des fournisseurs par exemple d'aliments, des concentrés, les parentaux, j'entends souvent parler des parentaux, voilà, parentaux, justement oui. C'est les souches, c'est ce que j'appelle les souches, c'est des vétérinaires, des laboratoires vétérinaires autres, donc les producteurs locaux et même tous ceux qui font la distribution d'aliments et autres peuvent donc signer des partenariats d'affaires avec tous ces exposants étrangers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des rencontres B2B. Et puis il y a aussi des financiers. Parce que là, il ne faut pas oublier ce volet. On a l'opportunité de vous avoir sur ce plateau. Il y a quelques années, on a mené une guerre sans merci contre l'importation du poulet congelé. Oui, effectivement. Oui. Au Cameroun pour satisfaire la demande. Nous sommes en 2024. Ça fait pratiquement 19 ans que cette lutte-là est menée. Quel est l'état des lieux de la production avicole au Cameroun? La production actuelle est-elle à mesure de satisfaire les besoins? Sinon, pourquoi? Oui, c'est très bien de rappeler, de poser cette question, parce qu'en fait, vous savez, en 2003, quand il y avait des importations de poulet congelé au Cameroun... Donc ça fait 20 ans, donc... Ça fait 20 ans, vous imaginez, 2003, donc... L'interprofession, il y a eu une lutte, hein, comme vous avez rappelé, il y a eu une lutte acharnée pour que ces importations soient interdites. Et en 2003, nous produisions, je crois que c'était dans les 13 millions et demi de poulets. Mm-hmm. 13 500 000 à peu près, ouais, de poulets. En 2014, nous sommes passés de 13 millions et demi, après l'interdiction des poulets, les importations, mm-hmm, à 75 millions de poulets. Oui. Bon, vous imaginez, vous voyez donc là une croissance exponentielle. Oui. C'est même cela qui justifie donc l'organisation de ce salon. C'est pour ça que nous avons donc pensé qu'il fallait mettre en place cet événement qui est le salon pour soutenir la filière agricole, pour soutenir cette croissance. Donc aujourd'hui, on produit assez de poulets. C'est vrai que depuis 2018, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait chuter la production. Vous imaginez, vous souvenez encore la grippe aviaire, l'événement grippe aviaire. Mm-hmm. Vous souvenez la crise de Covid, Covid, et aussi la guerre en Ukraine. Donc tous ces facteurs exogènes ont fait plomber la production avicole au Cameroun. Mais on a constaté que depuis l'année dernière, la production est en hausse, donc elle croît en ce moment. Et je pense que d'ici la fin de cette année, s'il n'y a pas d'autres événements, on ne sait jamais, parce qu'il peut y avoir un événement, je ne souhaite pas, mm-hmm, un événement malheureux qui vient plomber la production, je pense qu'on va rattraper donc ce chiffre de 75 millions. Le poulet ou les poules pondeuses, ça reste un aliment de luxe pour le Camerounais moyen. Comment on résout ça définitivement? Le poulet, en fait... Il y a des familles qui n'en mangent qu'à Noël. Bien, je vais rappeler ici que le poulet, il est la protéine, la première source de protéine au Cameroun. En fait. C'est la protéine, le poulet, c'est la viande la plus consommée au Cameroun, mm-hmm, en réalité. Donc, le poulet participe à près de... Enfin, je veux dire, les protéines d'origine végétale, d'origine avicole, participe à près de 46%, hein, 46% de l'offre en protéines au Cameroun. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Aujourd'hui, c'est la viande la plus consommée et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est la tendance mondiale. Mm-hmm. La tendance mondiale,
avec la tendance mondiale, on constate justement que le poulet de chair est de plus en plus demandé, de plus en plus consommé, et le poulet de chair reste la viande la moins chère. La moins chère parmi toutes les viandes. Vous pouvez faire le regarder sur le marché, je ne peux pas parler des autres viandes, mais c'est la viande la moins chère. Mmh. Si vous ramenez le prix au kilogramme de poulet, le kilogramme de viande si vous voulez, que vous allez constater que le poulet reste la viande la moins chère. On souhaiterait que ça baisse davantage parce que le pouvoir d'achat dans ce contexte d'inflation n'est pas en train de s'améliorer. Donc, si vous avez une ration de 5000 francs journalièrement, achetez le poulet à 3000 ou à 2800 francs quand ça va mieux. Vous savez qu'il faut encore acheter de l'huile, des condiments, du plantain, etc. Finalement, on se retrouve à plus de 5000 francs. Alors, pour sortir, monsieur le président de la filière interprofessionnelle avicole du Cameroun, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent aider votre filière à mieux se porter et à satisfaire totalement, si c'est possible, tout au moins à 75%, voire 80%, les besoins des Camerounais en matière de produits avicoles? Oui, je pense que les pouvoirs publics ont même un intérêt majeur à soutenir la filière agricole du Cameroun. C'est extrêmement important. On parlait de préférence nationale, on parlait de patriotisme économique tout à l'heure avec la directrice exécutive du GECAM. Exactement, oui. Et non seulement ça, il faut rappeler que la filière agricole contribue à 4% dans le PIB du Cameroun. C'est énorme. Et c'est une filière porteuse de croissance. Ça, c'est très important de rappeler ça. Et partout ailleurs, les gouvernements soutiennent la filière agricole. Parce que c'est une filière agricole qui croît très rapidement. Il y a énormément de choses à faire. Le gouvernement peut, vous savez, on a trop de problèmes que je ne peux pas énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'un des principaux problèmes, c'est quoi? Et qui, si ce problème est résolu, devra nous permettre de produire du poulet et des œufs à très faible coût. Ce problème, c'est quoi? C'est le problème du maïs. Du maïs, parce que l'offre de maïs au Cameroun est assez faible. Le coût du maïs reste encore. On importe encore le maïs au Cameroun. On importe encore du maïs au Cameroun. Malgré la multiplication des terres. Exactement. On a des terres à perte de vue. On a des terres à perte de vue. Exactement, on a des terres à perte de vue. La production nationale est très faible. Vous imaginez qu'on importe encore du maïs pour alimenter les poules. Donc, politique foncière à revoir pour permettre aux opérateurs économiques de cultiver davantage. Et encourager l'agriculture, encourager la production du maïs, c'est très, très important. Il faut produire moins cher en grande quantité. Et dès que le coût du maïs va baisser, vous aurez votre poulet à 1000 francs. On prend à 1000 francs. C'est possible, un poulet à 1000 francs. Ah oui, pourquoi si pas. Si les coûts de production sont revus. Alors, quand je parlais du maïs, vous imaginez que le maïs rentre à 60% au moins dans l'aliment. 60%. Vous imaginez, c'est une matière première majeure. C'est pour ça que je parle principalement du maïs. Il y a d'autres matières premières. Donc, mais il faut produire du maïs. Ça, c'est très important. Et à faire beaucoup, et c'est le gouvernement qui peut le faire à travers le ministère de l'Agriculture. Et on sera épargné du poulet importé, dont on nous présente souvent des images d'injection, des substances qui grossissent le poulet un peu plus rapidement qu'il n'en faut. Tout à fait. Ce sera votre mot de fin. Je rappelle, vous êtes le président de la filière de l'interprofession avicole au Cameroun. Vous préparez le salon avicole international. C'est dans quelques jours seulement, du 23 au 24 23, 24, 25 avril. Donc, à Yaoundé. Donc, c'est dans quelques jours à Yaoundé. Et donc, les éleveurs, les professionnels du domaine ont intérêt à participer à cette rencontre internationale pour se mettre à jour des innovations dans le domaine. Exactement. Monsieur le Président, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation de la Rétro. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous vous disons également merci d'être restés pendant ce temps d'antenne. C'était la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de l'actualité. Vous n'avez pas eu l'opportunité d'être là de bout en bout tout au long de la semaine. Ce programme vous est singulièrement dédié. La rediffusion, c'est lundi à 9h. J'aurai le plaisir d'être à nouveau des vôtres dimanche prochain pour ce service. Portez-vous bien. À très bientôt sur Canal 2 International. Allez, au revoir.